Alors déjà, c'est bien, ils ne sont plus concernés par la descente. On va peut-être pouvoir jouer le premier rôle maintenant. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte hein, que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Alors, je sais que vous l'attendiez, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. Et l'arbitre qui a sifflé, ah, je ne l'avais pas vu hors jeu. J'aimerais vraiment revoir ça au ralenti. Kroos. Sergio Ramos. Marcelo. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Benzema, allez, l'occasion peut-être de mener. Eh oui, monsieur, le but. Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout, si possible. Le buteur qui était idéalement placé sur cette action. Cette distance est beaucoup plus simple. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Modric. Sergio Ramos. Sergio Ramos, un défenseur qui sait aussi marquer des buts hein, de temps en temps. Ouais, c'est vrai, il a un super jeu de tête, notamment sur le coup de pied arrêté. Sous la pression de l'adversaire. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Voilà, conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Ah, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Modric. Ah, il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Benzema. Oh, le bel arrêt de Loris. Corner en faveur du Real Madrid. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Luka Modric. Toni Kroos. Oh, sacrée frappe! Elle passe pas loin du cadre. Hein. Non, non, ça passe même tout près. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Ah, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Oh, la belle tête! Surtout, quel arrêt! Une action splendide! Raphaël Varane. Luka Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand-chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Oui, il n'est pas très grand, 1m74. Il n'est pas super beau gosse. Mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Isco. Le ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de France. Il a débordé la défense. Oh, Toni Kroos. Oh, la bonne frappe qui passe juste à côté. Modric. Gareth Bale. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. N'Golo Kanté. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Karim Benzema. Ouais, bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Mbappé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Modric. Il peut être dangereux. Il peut être dangereux là-dessus, Gareth Bale. Ouais, la frappe. Un petit peu trop de précipitation peut-être.
Isco. Modric. Le Real Madrid qui s'approche du but. N'Golo Kanté. Ouais, le Real qui récupère la balle. Luka Modric. Kroos. Benzema. Isco. Allez, il peut la mettre, Isco. Et le corner, allez, pour faire le break, pourquoi pas. Modric qui va chercher. Raphaël Varane. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Les spectateurs qui savent que leur équipe a failli encaisser le but de trop, mais on dirait qu'ils y croient encore. Modric. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Griezmann. Ousmane Dembélé. Peut-être l'égalisation. Oh, sur le poteau. Ils sont pas vernis, ces joueurs. Avec un peu de réussite, ils pouvaient égaliser là-dessus. Modric. Sa passe est interceptée. L'attaque française qui n'arrive pas, hein, décidément, à s'imposer dans ce match. Les attaquants semblent un peu perdus sur le terrain. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Oui, il va centrer. Kylian Mbappé. Oh, le retourné. Fabuleux. Parfait. Allez, pour le plaisir, on revoit ce but fabuleux. Ouais, le geste est parfait, l'équilibre est parfait. Quitte pas le ballon des yeux, c'est magnifique. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Marcelo. Sergio Ramos. Non, elle est interceptée cette passe. L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basée sur la technique. Ah, c'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, hein, Coppa, Zidane, Platini. Carvajal. Isco. Allez, le tir de Karim Benzema. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Bah oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. Le Real Madrid qui marque juste avant la pause. Ils ont su profiter d'un petit relâchement de la défense adverse juste avant le repos. Engagement à l'instant. L'équipe de France qui doit absolument réagir. Oh, le gris-gris de Pogba. Dembélé. Ils attendent une ouverture dans la défense. Griezmann. Oh oui, le but. Bon là, ils sont complètement démobilisés là. Juste après avoir marqué, c'est... Benzema. Allez, encore une égalité. Ouais, non. La fin de la première période. Une première période assez riche en buts, hein, finalement. Déjà 2-2 au score. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires. Un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Bon, c'était pas mal du tout, hein. Il a marqué un but et sur une autre action, il a trouvé le poteau, donc on ne va pas en rester là. C'est reparti, le ballon pour les joueurs du Real Madrid. Isco. And number 12, Marcello. To be replaced by Sergio Ramos. Casemiro. Rafael Varane. Casemiro. Nacho Fernandez. Griezmann. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real.
Et Samuel Umtiti qui dégage avec un tir. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Modric. Asensio. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Marco Asensio. Casemiro. Ouais, il a pris sa chance de loin, hein, sur cette frappe. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Bale. Ah non, le ballon est perdu. Allez, il peut y aller seul, Gareth Bale, mais il a également du soutien autour de lui. Ousmane Dembélé. Les Bleus à l'attaque avec ce ballon. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Modric qui va trouver un adversaire sur cette passe. Cavarel. Le ballon en touche. Équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. Kingsley Coman. Elle récupère le ballon très haut. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Benzema. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Allez, qui va reprendre. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Ah, ce ballon de piqué qui vient tromper le gardien. Et on voit la lucidité, hein, du buteur sur cette action. Ouais, le petit piqué comme il faut. Le Real Madrid est mené. Modric. Sergio Ramos. Nacho Fernandez. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Dembélé. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Bon, sans grand danger finalement. La passe est interceptée. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Gareth Bale qui percute, qui passe. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Kingsley Coman. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Sergio Ramos s'éloigne le danger. Ouais, non, les défenseurs sont revenus. Et la touche sera pour la France. Raphaël Varane. Mbappé. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Kylian Mbappé. Touche en faveur du Real Madrid. Casemiro. Raphaël Varane. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. Un tir complètement raté. Modric. Karim Benzema.
Ah, il donne le tournis au défenseur. Il... Attention, l'occasion pour revenir à un but. Gareth Bale. Oh là-bas, attention. Ouais, la tentative. Oh, quel réflexe. Oh, quelle parade. Magnifique. Et c'était pas évident à cette distance. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. C'était une belle occasion. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Griezmann qui perd le ballon, qui profite à l'adversaire. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon avec un bon pressing. Bale. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, je l'ai vu jouer latéral gauche, même à Tottenham. Et puis bah, il y a des joueurs qui reculent, lui il avance et aujourd'hui. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ça fera long. On voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Nacho Fernandez. Casemiro. Benzema. Alors le ballon est perdu. Gareth Bale. Oui, il va centrer. Mais allez. Allez, ça doit aller au fond, ça. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt-réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Sous la pression de l'adversaire. Voilà, c'est fait, la fin du match et la belle victoire pour l'équipe de France. Décidément, cette équipe n'y arrive toujours pas. Nouvelle défaite, la deuxième consécutive. L'entraîneur se pose déjà beaucoup de questions. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Benzema, allez, l'occasion peut-être de mener. Eh oui, monsieur, le but. Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout, si possible. Allez, les Français, il faut se créer l'occasion. Oui, il va centrer. Kylian Mbappé. Oh, le retourner. Fabuleux, parfait. Isco. Allez, le tir de Karim Benzema. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Bah oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée. Ils attendent une ouverture dans la défense. Griezmann. Oh oui, le but. Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mon... Allez, ça doit aller au fond, ça.